So, vous voulez savoir comment faire de l'argent sur TikTok ou comment est-ce que les cadeaux fonctionnent pas sur TikTok? On peut vous envoyer des cadeaux qui peuvent être transformés en argent. Et là, dans cette vidéo, je vais vous donner tout ce que vous devez savoir sur comment est-ce que ça fonctionne, les cadeaux sur TikTok, comment est-ce que, quelles sont les conditions d'éligibilité pour que vos abonnés commencent à vous envoyer des cadeaux et que ces cadeaux-là, vous les transformez en argent qui va être dans votre porte-monnaie TikTok et après dans votre porte-monnaie réelle. Donc, je vais vous détailler tout cela dans cette vidéo. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que pour commencer à recevoir des cadeaux TikTok, vous devez avoir d'abord 10 000 abonnés. Avoir 10 000 abonnés sur TikTok, ça peut, c'est pas vraiment trop sur TikTok. C'est pas vraiment 10 000 abonnés. Ici sur YouTube, c'est. Mais avoir 10 000 abonnés sur TikTok, ça peut s'obtenir dans une journée ou dans une semaine. Moi, personnellement, mon plus grand record, c'est que j'ai eu 10 000 abonnés dans moins de 2 semaines. Sur TikTok, donc c'est possible pour n'importe qui sur TikTok. Et la deuxième condition est que vous ayez un compte qui est actif depuis 30 jours. Voilà. Vu que vous postez des contenus, ça, c'est pas un problème parce que vous postez des contenus. Donc, vous avez un compte actif. Donc, notez que vous pouvez avoir 10 000 abonnés, mais si votre compte date de 2 semaines, vous ne saurez pas activer le fait de recevoir des cadeaux sur TikTok. Voilà. Là, je vais vous montrer comment on active, juste pour ceux qui ne le savent pas, comment on active les cadeaux sur TikTok. Je vais juste enregistrer mon écran. Voilà, je vais juste utiliser ces comptes TikTok là, bizarrement. Si vous êtes au niveau de votre profil, il y a les 3 barres qui sont au-dessus là. Et là, vous avez outils de créateurs et paramètres de confidentialité. Vous allez sur outils pour les créateurs et vous venez sur cadeaux. Et là, vous pouvez activer. Et là, c'est noté, les spectateurs peuvent envoyer des cadeaux sur les vidéos éligibles lorsque la fonctionnalité est activée. Donc là, vous devez activer maintenant la fonctionnalité. Et là, si j'avais si sur ces comptes j'avais les 10 000 abonnés et que j'ai respecté toutes ces autres conditions mentionnées là-bas, je pouvais cliquer sur le bouton activer les cadeaux ici. Et là, mon compte est éligible. Bien évidemment, c'est pas sur toutes les vidéos qu'il y aura de la possibilité qu'on vous donne des cadeaux. Les vidéos doivent être doivent passer sur une modération pour voir si les vidéos sont éligibles pour les cadeaux. Et voilà. Mais à la base, la plupart ou toutes les vidéos sur TikTok sont éligibles pour les cadeaux. À moins que ça soit quelque chose de genre malsain, quelque chose d'interdit sur TikTok. Donc du coup maintenant, comment est-ce que les cadeaux fonctionnent? Comment est-ce que les cadeaux que vous recevez de la part de vos abonnés vont quitter votre TikTok pour aller sur votre porte-monnaie? Sur TikTok, vos abonnés possèdent des pièces et ces pièces, ils les achètent avec de l'argent réel. Voilà, maintenant là que je suis en train de vous parler, 1 $ équivaut à 70 pièces TikTok. Voilà, à peu près 70 pièces. 70 pièces à la valeur de 1 $. Et là, on parle de dollars américains. Et donc du coup, vos abonnés, les utilisateurs TikTok, ils achètent par exemple avec Apple Pay, par exemple avec leur carte bancaire et tous les moyens nécessaires qu'ils utilisent pour les achats en ligne, ils peuvent acheter ces pièces-là avec de l'argent réel. Lorsque vous postez des vidéos et que vos abonnés apprécient vos contenus ou lorsque vous faites des lives et que vos abonnés apprécient vos contenus, ils peuvent vous envoyer ces cadeaux-là. Et quand ils vous envoient chez eux, ce sont des pièces. Et quand ils vous les envoient chez vous, le créateur, vous les recevez sous forme des diamants. Sur votre solde TikTok, il y aura des diamants. S'ils vous envoient, par exemple, 50 pièces TikTok, et donc, vous allez recevoir 25 diamants. Donc, du coup, on peut conclure qu'un diamant vaut 2 pièces. Et si vous êtes seulement apprécié par vos fans et vos abonnés, vous allez recevoir beaucoup de diamants. Et là, vous allez collectionner beaucoup de diamants sur votre portefeuille TikTok. Et dans votre porte-monnaie TikTok, lorsque vous avez suffisamment de diamants, vous pouvez maintenant les convertir en argent. Et c'est en ce moment-ci quand notre calcul intervient parce qu'il y a un seuil que vous devez atteindre pour pouvoir retirer de l'argent. Voilà, lorsque vous collectionnez beaucoup de diamants sur votre TikTok, c'est bien.
mais il faut que vos diamants équivalent à au moins 50$. Donc le minimum à retirer sur TikTok, c'est 50$. Je vais faire un calcul simple juste là. Juste avant de faire ces calculs, je vous montre comment les gens achètent des pièces sur TikTok. Voilà, là, vous pouvez venir juste sur ces trois points et vous allez sur paramètres et confidentialité et sur solde. Voilà, et là, au niveau de mon solde, vous voyez que j'ai 0 pièces sur TikTok et donc, du coup, je peux cliquer sur recharger pour acheter des pièces. Et c'est ici que les gens achètent des pièces. Et comme vous pouvez le voir, 70 pièces équivaut à presque 1$, 1,06$ américains. Donc vous pouvez acheter jusqu'à 1750 pièces qui équivaut à presque 236$ américains. Donc là, ce sont vos abonnés qui achètent des pièces. Et vous, évidemment, vous pouvez acheter également des pièces pour les donner à d'autres créateurs. Donc, c'est donnant-donnant. Et donc, pour avoir, on va faire un calcul simple. Pour avoir 50$, vous devez avoir combien de diamants? Par exemple, on sait que 35 diamants équivaut à 1$. Donc, 35 fois 50. 70 diamants équivalent à 1$. Donc 70 fois 50, ça fait 3500 diamants. Pour avoir 50$, eh ben vous devez avoir 3500 diamants, si je ne me trompe pas. Voilà, si mes calculs sont vrais. 3500 diamants pour retirer 50$. Maintenant, comment est-ce que vous retirez de l'argent sur TikTok? Simplement par PayPal. Voilà, le moyen le plus facile et le plus utilisé, peut-être même l'unique, c'est par PayPal. Vous devez avoir accès à PayPal, les gars. Si vous n'avez pas accès à PayPal, PayPal, c'est juste avoir une adresse mail qui est liée à un compte PayPal. Donc, dans certains pays, on n'a pas accès à PayPal. Mais si vous avez quelqu'un de confiance qui a PayPal, vous pouvez utiliser son adresse mail et retirer sur son compte et puis il va vous donner du cash. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez tout compris sur comment est-ce que les cadeaux TikTok fonctionnent, comment est-ce que les pièces deviennent des diamants et des diamants en argent. S'il y a des questions, laissez-les en commentaire. On se voit plus tard pour une prochaine vidéo. Peace.